Alors ma première session, j'étais impressionnée à quel point c'était facile d'accès. Je m'attendais pas à avoir une aussi grande facilité. Je pensais qu'on allait attaquer un petit peu les sujets comme à l'université, parce que j'ai eu l'occasion de faire une année en université. Puis on a vraiment attaqué le sujet étape par étape, tout était bien expliqué par le professeur. Les professeurs faisaient attention de faire un bon suivi avec nous. En arrivant ici, je me suis dit ok, faut que je sorte de ma zone de confort, faut que je sois un petit peu plus avenante, que j'essaye de me lancer des défis. Donc j'ai tenté le cégep en spectacle, puis il y avait aussi le café chez Ginette ici. Pouvoir travailler dans un café étudiant, c'est vraiment s'insérer dans la vie professionnelle, puis avoir moins de stress, aborder ça avec des étudiants qui sont sympathiques, puis qui vont dire non t'inquiète pas, y a pas de stress. Un bon conseil de personne qui a été là pendant 4 ans, vous fiez pas à la terreur hivernale, genre vraiment pas, parce que rappelez-vous, il faut se rappeler de qu'est-ce qu'on a quitté en fait là-bas à La Réunion, pourquoi on l'a fait. Faut se faire son petit groupe et pas seulement de réunionner, faut aller vers les Québécois, faut se mélanger, faut avoir envie d'avancer, faut se dire que ces études-là, ça sert aussi à se professionnaliser, puis avoir un certain impact dans le monde professionnel, parce que faut dire que les diplômes ici sont quand même bien reconnus, puis c'est ça, il faut se dire qu'on va forcément arriver à quelque part, puis ici, surtout à Jonquière, je trouve que c'est un endroit qui est pas mal déstressant, puis vraiment, c'est vraiment une place où on peut se faire une petite communauté de groupes d'amis.